Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, comment ça va? Ça commence à remonter un petit peu les amis, hein. Ouais, les températures remontent, on a 3 degrés, ça dégèle ici dans le nord, au nord de Béthune. Alors comment ça va les amis, hein? Alors on profite, alors ici dans le nord, ça fait 3-4 jours, on avait moins 5, moins 6, on est dans ces eaux-là. Voilà, au thermomètre digital, autrement dit, au sol, on a certainement moins 6, moins 7. Hein. Alors les amis, bah, le jardin, il a trinqué un peu, voilà, mais bon, les pains de sucre, bon, en général, le cœur résiste bien. Alors on va tout doucement aller vers le redoux. Bah, alors les amis, je voudrais répondre à une question qu'on m'a posé, alors, une question super intéressante. Alors, les poireaux, regardez, ils ont souffert, mais un poireau, il tient très très bien le froid, hein, vous inquiétez pas, hein, il tient très très bien le froid, hein, et bah, les pains de sucre, ils ont trinqué, hein. Heureusement que j'en ai déjà pas mal mangé, là, mais en général, vous mangez le cœur, et le cœur n'est pas trop touché, voilà, et en général, vous enlevez les premières feuilles et ça va le faire, les amis. Hein. Et ça va le faire. Hein. Voilà, donc bah, heureusement que j'ai travaillé un petit peu ma terre. Alors n'oubliez pas, vous avez jusqu'au mois de mars pour ajouter votre fumier, votre compost, tout ça, vos cendres de bois. Donc il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de. Il n'y a pas péril en la demeure. Bah, vous voyez plus grand chose. Alors, ce que je voulais vous dire, les amis, c'est que, alors, ok, on m'a posé une bonne question. Regardez comme le pain de sucre, là, il y en a des. Là, ici, il y en a des belles, hein. Il y en a vraiment des belles ici. Hein. Alors, quelle différence y a-t-il? Tiens, voilà les coques. Et voilà une poule. Quelle différence y a-t-il? Ça va, ma serre, elle est fermée. Quelle différence y a-t-il entre le terreau universel et le terreau horticole? Eh bien, le terreau horticole, c'est un terreau universel, oui, mais en plus, il est enrichi. Il est enrichi en humus, il est enrichi en fumier, il est enrichi en algues, il est enrichi en engrais naturels. Ouais, les amis, c'est pour ça que je vous dis toujours, choisissez un bon terreau horticole plutôt que d'un terreau universel. Le terreau universel, il est neutre, voilà, et le terreau horticole, il a été, c'est un terreau universel, mais améliorer les amis. Voilà, en tout cas, bah, j'espère que ça va chez vous. Bah, ici, je vois que bah, le gel fait son œuvre. Heureusement, j'ai plus de carottes. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça crie pas mal. Regardez, on a deux coques là et une poule. Bah, heureusement, la serre est fermée à chaque fois. Hein. Alors, ce qui est, ça apporte du bon, hein, un petit coup de gelée comme ça. Hein. Ça tue un petit peu les bestioles, voilà, hein, les bestioles un petit peu nuisibles dans notre jardin, là. Alors, allez-y, hein, vous pouvez faire caca, hein, dans le jardin, hein, c'est préconisé, avancer un peu, là, si bien, il n'y a plus grand-chose, hein, à part les pains de sucre et les poireaux, hein, il n'y a plus grand-chose, les amis, hein. Voilà, en tout cas, ils aiment bien venir ici, hein, il va falloir que je fasse un système pour éviter... Justement, bah, je vais vous dire, c'est en train de fondre doucement, c'est en train de se réchauffer parce que si j'avais su, j'aurais changé de chaussure là. Hein. J'ai vraiment été eu là, les amis. Hein. Voilà, donc, alors les amis, hein, Kiki, bah alors Kiki là, bah alors Kiki, bah alors viens dire bonjour à tout le monde. Ah non, Kiki rejoint Cybèle là-bas au bout. Hein. Voilà les amis, bah, en tout cas, moi je vous laisse. Ça va, c'est quand même moins froid, ça pique un peu moins. Hein. Voilà, dimanche, on va repartir sur un flux d'ouest, donc ça devrait aller mieux. J'espère que vous avez récupéré vos greffons, il y a encore temps, il n'y a pas de souci, pour les greffes enfantes. Et voilà, puis bien sûr, je ne sais pas, peut-être fin janvier, je commencerai mes semis de tomates. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Plein de joie, plein de bonheur. L'étang est gelé, normalement d'ailleurs. Et n'oubliez pas, allez porter de l'eau matin et après-midi aux poules, parce que si l'eau est gelée, dur, les amis. Allez, à bientôt. Bye bye.